Lionel Cholon, je suis candidat pour les élections départementales sur le canton Entre-deux-Mers, où se situe l'hôpital qui est en lutte depuis 10 jours et avec une forte mobilisation aujourd'hui pour défendre les services, le service public hospitalier, fortement attaqué par la direction qui veut supprimer des lits dans l'UMD, dans l'unité de malades difficiles, dont les patients ont besoin de soins très particuliers avec du personnel formé. Et donc on voit malheureusement que le monde d'après que nous promettait Macron au moment du Covid ressemble très fortement au monde d'avant, puisqu'on parle encore de suppression de postes, de réduction de personnel, de privatisation des services, comme le service restauration ou le service ASH à l'hôpital de Langon. Donc on se présente pour combattre cette politique, obtenir des moyens pour l'hôpital public et qu'on arrive enfin à ce que la société française puisse compter sur des soignants avec les moyens de bien soigner.